Merlin, le petit chien magique, avec vous il va jouer. Comme il porte un collier magique, son vœu va se réaliser. Merlin, tu veux savoir ce que je pense ? Dit Émile. Eh bien, je pense que c'est scandaleux d'aller travailler quand il fait aussi beau. C'est vrai qu'il fait vraiment beau. Aboie Merlin. Et je préférais être dans les champs à chasser les lapins. Voilà, on est arrivé. Alors autant travailler dans la joie et la bonne humeur. D'accord. Bonjour, Émile. Dit Mademoiselle Roseau. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, je vais très bien, je vous remercie. Même si par une journée pareille, j'aimerais mieux faire autre chose que travailler. Oh, je vous comprends parfaitement. J'emmène Kiwi faire une promenade dans la campagne. Et après, on s'arrêtera pique-niquer quelque part. Et toi, Merlin, que comptes-tu faire? Demande Kiwi. Je vais rester ici avec Émile. Mais j'aimerais mieux aller pique-niquer, moi aussi. Profitez bien de votre journée, toutes les deux. Dit Émile. Et profitez bien du soleil. Oh oui, on va en profiter et le savourer. Et vous, ne vous fatiguez pas trop. Au revoir, Merlin. Tu dois descendre tout seul. J'ai mal au dos depuis quelques jours et je ne peux pas te porter. Et maintenant que j'y pense, ça me ferait du bien de prendre des vacances. Bonjour, Émile. Dit Madame Moreau. Hervé, Charlotte et moi avons décidé de profiter de cette splendide journée pour aller faire un pique-nique à la campagne. Vous avez bien raison. Et moi, je les accompagne. Ronronne Oscar. Tout le monde a l'air de vouloir prendre du bon temps aujourd'hui. Tous mes amis sont partis. Se dit Merlin. Je m'ennuie. C'est affreux que je m'ennuie. Salut Merlin. Dit Eric le hérisson. Qu'est-ce que tu fais? C'est justement ça le problème. Je ne fais rien de particulier. Tu ne sais pas où est Mousse? Il fait tellement beau qu'il a eu envie de partir en excursion sur une des îles. Oh ben alors, si Mousse est parti lui aussi, c'est la fin des haricots. Dis donc, Eric, il ne reste plus que toi et moi ici. C'est-à-dire que je peux pas tout à fait. Bredouille Eric. Avec mes copains hérissons, on s'est dit qu'on devrait aller explorer les haies. Et d'ailleurs, il faut que j'y aille, ils m'attendent. Salut Merlin. Moi aussi j'ai envie de partir pour la journée. Le mieux c'est que je me serve de mon collier pour aller faire un super pique-nique comme Kiwi et Charlotte. Voyons voir un peu. Merlin sait que son collier est magique, mais il ne se rappelle jamais comment il fonctionne. Il ferme les yeux et se concentre très fort. Emmène-moi au pique-nique, maintenant! Rien, il ne se passe rien. Je veux faire un pique-nique, maintenant! Mais il ne se passe toujours rien. Il faut peut-être que je cours après ma queue. Je veux faire un pique-nique, je veux faire un pique-nique! Merlin s'arrête le temps de reprendre sa respiration et se demande ce qu'il doit faire maintenant. J'ai la tête qui tourne et mon collier est cassé. Si seulement je pouvais aller pique-niquer. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Ça a marché! C'est merveille, Merlin. Oh, et tous mes amis sont là. C'est génial que mon vœu ait été exaucé. Ah, Merlin, c'est bien que tu sois là. Approche, on a des saucisses pour toi. Dit Émile. Waouh, waouh, waouh! Oh, c'est un véritable festin. Je ne sais même pas par où commencer.
Tout le monde a fini de manger. Émile, Monsieur et Madame Moreau, ainsi que Mademoiselle Roseau, font une délicieuse petite sieste. Oh là là, ça c'était vraiment fantastique! Quel pique-nique sublime! Mais j'y pense, où sont Kiwi et cet affreux matou d'Oscar? Coucou Merlin, dit Charlotte. Kiwi et Oscar sont partis se promener. Tu veux bien jouer à la poupée avec moi? L'ennui, c'est que les poupées n'intéressent pas trop Merlin. Non, merci, aboie-t-il. Je vais plutôt chercher Kiwi. Je me demande où ils ont bien pu aller. J'ai cherché partout, partout. C'est pas la peine de hurler. J'ai le droit de regarder, hein. Papa! Je peux hurler, moi aussi. Oh, c'est peut-être pas une bonne idée. Je ferais mieux de filer. Au secours! Au secours! Oh, mais qu'est-ce qui fait autant de bruit? Demande Monsieur Moreau. On dirait quelque chose qui bourdonne, répond Madame Moreau. J'ai l'impression que c'est un essaim de... d'abeilles. Vous voulez ouvrir une bouteille? Au secours! Elles veulent me faire du mal! Oh! 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 Mais c'est parfait! Merlin! Je suis désolé de ce qui vient de se passer. Merlin, tu vois ce que tu as fait? Gronde Émile. Tu as semé une belle pagaille. Vous pourriez peut-être emmener Merlin se promener le temps qu'on range tout, dit Monsieur Moreau. S'il vous plaît, ajoute Madame Moreau. Emmenez-le loin des abeilles, surtout, et surveillez-le pour qu'il ne fasse plus de bêtises. Entendu, soupire Émile. Je l'emmène en promenade. Oh, j'ai l'impression que je me suis fait piquer. C'est vrai, chérie, en plusieurs endroits. Qu'en dis-tu, Merlin? C'est un bel endroit, non? On peut aller l'explorer? Aboie Merlin. Apparemment, les chiens n'ont pas le droit d'entrer. Mais regarde là-bas. Il y a un labyrinthe. Allez, viens, on va y jeter un petit coup d'œil. Il ne devrait pas y avoir d'abeilles. J'adore les labyrinthes, dit Émile. Il faut que tu trouves le chemin de la sortie sans te perdre. Tu viens, on y va. Plutôt deux fois qu'une, dit Merlin enthousiaste. On a tout intérêt à rester ensemble, ce serait bête de se perdre. Oh, ce chien n'en fait vraiment qu'à sa tête. Je lui avais pourtant dit de rester près de moi. Merlin! Merlin! Oh, oh, je crois que je suis perdue. Je vais essayer d'aller par là. Merlin! Merlin! Oh là là, je suis toujours perdue. Merlin! Merlin! Oh, et en plus, je suis coincée. Oh, si seulement je n'étais pas venue pique-niquer. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Pfiou! Ça a marché! Ah! Excuse-moi, Merlin, je sais que tu as dû rester ici toute la journée pendant que je travaillais. Mais si tu veux, demain, je t'emmènerai pique-niquer. Oh, ne t'en fais pas. Dans le fond, je me plais bien ici.